Me revoici donc pour la troisième partie de présentation de mes livres de coloriage. Donc, je vais vous présenter donc les magazines achetés au bureau de tabac. Donc, là, j'en ai acheté deux ce matin. Donc, j'ai celui-ci. Et celui-ci. Donc voilà pour les deux récents. Donc je ne prends pas forcément à chaque fois tous les numéros. J'en prends seulement quand j'y pense, quand j'y vais, que il y en a qui me plaisent. Sinon, je m'abonne pas ni rien parce que des fois vaut mieux voir parce qu'il y a des coloriages pardon que des fois ils nous intéressent pas forcément. Donc je préfère aller les voir directement au bureau de tabac comme ça j'achète que si vraiment j'ai envie. Donc là j'ai celui-ci que j'ai eu avec celui-ci. Donc c'était pour dessiner les mandalas. Je l'ai pris en fait, c'est juste parce qu'il y avait celui-ci, donc pour faire pour colorier. Et moi, il y avait celui-là dedans, donc je l'ai pris quand même. J'ai dit ça peut toujours servir. Celui-ci, je l'ai acheté début janvier aussi. Après tous les restes. Tout le reste, ça faisait un moment que je les avais déjà. Donc, je sais pas si on peut encore les trouver. Donc voilà pour les magazines. Et je vais vous présenter donc les posters. Donc pareil, si vous voulez voir le poster déplié, vous me laissez un petit commentaire et je vous ferai la vidéo dessus. Donc j'ai celui-ci. Celui-ci et je reviens. Et celui-ci. Voilà. Donc, je peux. Voilà à peu près comment il se présente. Je l'ai commencé, donc. C'est très très long à faire. Donc voilà. Donc voilà pour les livres. Et je vous dis à bientôt pour une présentation du matériel.